On se voit donc ensemble pour parler de notre calculatrice. En réalité, on va parler du mode statistique de notre calculatrice Sharp. Je vous ai mentionné dans une vidéo qu'on avait la possibilité d'aller très rapidement pour calculer la moyenne et l'écart type et éventuellement d'autres mesures statistiques, notamment le coefficient R. On va pouvoir faire de la régression linéaire, faire de la prédiction linéaire aussi, et on va être capable de faire tout ça à partir du mode statistique de la calculatrice Sharp. Donc ici, on va commencer par une liste de données. On s'en donne une. Si vous avez suivi les vidéos, vous savez que cette liste de données-là, on l'a utilisée très souvent, notamment pour la moyenne et pour l'écart-type. On est allé chercher la moyenne et l'écart-type sur cette série-là avec les très longues formules. Donc, on va pouvoir comparer avec la méthode de la calculatrice Sharp. Pour faire ça, on va devoir commencer par placer notre calculatrice en mode statistique à une seule variable. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben déjà, sur notre calculatrice, il va falloir appuyer sur le bouton mode. Ensuite, il va falloir sélectionner le mode statistique et on va sélectionner Single Data parce qu'on travaille avec une seule donnée. Donc, sur la calculatrice, on veut se mettre en mode statistique. On appuie sur mode. On a le choix entre normal, statistique. Vous avez peut-être d'autres choix. Nous, on veut statistique. Donc, on appuie sur 1. Et ensuite de ça, on donne plusieurs choix. Vous avez SD pour Single Data, Line pour linéaire. Vous avez quadratique aussi. Donc, tout dépendamment combien de variables vous êtes en train d'utiliser, vous allez changer de mode statistique. Nous, on a une seule variable. Donc, on va y aller avec Single Data. On appuie sur 0. À ce moment-là, ma calculatrice est en mode statistique. Maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à entrer chacune des données dans la calculatrice. Pour faire ça, on va prendre la valeur qui nous intéresse et on l'entre directement dans la calculatrice. Donc, par exemple, si j'avais entré 100, j'écris 100 sur ma calculatrice. Lorsque c'est fait, je veux ajouter la valeur dans la mémoire de ma calculatrice. Et pour que ma calculatrice fasse ça, je dois lui dire d'ajouter ça dans Data. Donc, ce bouton-là, Data, ça se peut qu'il soit écrit M plus dessus. Ça se peut qu'il soit écrit en tout petit Data au-dessus ou en dessous. C'est sur ce bouton-là qu'on appuie pour entrer une seule donnée à la fois dans la calculatrice. On répète le même procédé pour chacune des valeurs. Donc, regardons à quoi ça ressemble. On veut rentrer des données. Nos données, on les a dans notre liste de données. Notamment, on a la donnée 100. Une fois que j'ai entré 100 dans ma calculatrice, je cherche à appuyer sur Data. Sur votre calculatrice, vous allez voir, moi ici, là, Data, il est écrit juste en dessous du bouton M+. Donc, j'appuie sur le bouton M+ et ma calculatrice m'indique que mon ensemble de données est maintenant constitué de une donnée. J'ai fait le 100. Je vais faire le 99. Le 99, même principe, j'appuie sur M+. Et là, mon ensemble de données tombe à deux données. Je fais le même principe pour chacune des données et ensuite de ça, on pourra aller chercher les statistiques sur ces données. Et voilà, mon ensemble de données contient 18 données. Ça tombe bien parce que nos données traitaient de 18 joueurs de la LNH, donc on a bel et bien rentré toutes les données. Maintenant que c'est fait, on a tout ce qu'il nous faut. Notre calculatrice est prête à nous donner nos statistiques intéressantes. Ce qui nous reste à aller chercher, c'est la touche Alpha qui va nous permettre d'aller resélectionner la moyenne, l'écart-type sur l'échantillon de la population, n'importe quelle donnée statistique. Et pour ça, on doit tout simplement utiliser le bouton Alpha et aller chercher ce qui nous intéresse sur le clavier. Il ne nous reste plus qu'à aller chercher maintenant dans notre calculatrice les informations statistiques. On cherche à avoir la moyenne, l'écart-type et l'écart-type sur la population. Pour ça, on vous a dit qu'on devait appuyer sur la touche Alpha. Cette touche-là, alpha, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne la possibilité d'aller chercher des variables qui sont gardées en mémoire au-dessus de nos boutons. Donc, par exemple, si je vais voir le bouton 4 ici, au-dessus du bouton 4, en haut à droite, on voit X bar. Bon, ce n'est pas super bien écrit, mais c'est X bar qui est écrit ici. Ça veut dire que si j'appuie sur alpha et que j'appuie sur 4, ma calculatrice va me donner X bar. X bar, c'est ma moyenne, donc j'appuie sur entrée et j'obtiens 91,33 pour la moyenne. Je peux faire la même chose avec 5. Je vais avoir SX, donc l'écart type de ma variable X. Je vais chercher SX. J'obtiens 18,49 environ pour l'écart type. Et je peux faire la même chose pour l'écart type sur la population avec le bouton 6, donc alpha 6. Et j'obtiens 17,97 pour le nombre de points, l'écart type du nombre de points dans ce cas-ci. On vient de voir qu'on avait une moyenne de 91,33 points, un écart-type de 18,49 points et on a un écart-type sur la population de 17,97 points. Tout ça, on l'a fait à partir de notre liste de données et du mode statistique de la calculatrice.
Ceci étant dit, c'est rare qu'on travaille avec la liste de données. On travaille plus souvent avec le tableau de fréquences, donc on va voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ce tableau de fréquences-là, justement. Pour pouvoir rentrer des données qui viennent d'un tableau de fréquences, avant de faire ça, en ce moment, nous, on vient de rentrer plein de données dans la calculatrice, donc il va falloir qu'on vide la mémoire de la calculatrice parce que, évidemment, si on a déjà rentré des données dans la calculatrice et qu'on en rentre des nouvelles, la calculatrice, elle va être confuse. Elle ne saura plus qu'est-ce qui se passe, puis elle va nous donner des chiffres qui n'ont pas rapport. Donc, pour faire ça, on vide notre calculatrice et ensuite de ça, on pourra redonner des nouvelles données à notre calculatrice. Pour vider la calculatrice, il va falloir trouver comment activer le bouton, la fonction CA, qui veut dire Clear All sur la calculatrice. Ce bouton-là est généralement associé au bouton Mode de la calculatrice, donc il va être écrit CA en tout petit au-dessus ou en dessous, quelque chose comme ça. Et pour faire ça, ben, il faut dire à notre calculatrice qu'on utilise la deuxième fonction, donc on appuie sur le bouton Second Function, 2NDF, et on va appuyer sur CA. Donc, normalement, c'est au-dessus du bouton mode sur notre calculatrice. Vider la mémoire, c'est assez simple, on l'a vu. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer sur deux boutons. Donc, on veut Clear All. Clear All, c'est le CA qui est ici. Il se trouve juste au-dessus du bouton mode. Donc, j'ai besoin d'activer la deuxième fonction. Pour faire ça, j'appuie sur Second Function et j'appuie sur mode. Et voilà, ma calculatrice ne contient plus la moindre donnée. Donc, on peut commencer à zéro avec ceci. Maintenant que c'est fait, on est prêt à rentrer des données à partir d'un tableau de fréquences. Donc, on va s'en donner un tableau de fréquences. Dans ce cas-ci, on est même allé chercher des classes. Si on avait des valeurs, si on avait des données groupées par valeur, ce serait le même principe. Mais ici, on est allé avec des classes. C'est pas plus grave, on va aller chercher les milieux de classes dans ce cas-ci. Pour notre tableau de fréquences, si ce n'est pas déjà fait, on met notre calculatrice en mode statistique encore une fois. Une fois que c'est fait, on doit rentrer chaque couple de données. Qu'est-ce que je veux dire par couple de données? Un couple de données, ça va être une valeur, donc un nombre de points, et un nombre de joueurs dans ce cas-ci. Donc, la valeur, sa fréquence. La valeur, sa fréquence. La valeur, sa fréquence, etc. comme ça. Pour faire ça, on commence par entrer la valeur. Donc, on entre la valeur dans la calculatrice de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure. Et avant de rentrer ça en mémoire, ce qu'on va dire à la calculatrice, c'est attends, on a une fréquence en plus, donc on ajoute une virgule après notre valeur. Ça, la virgule, c'est le bouton, normalement, c'est le bouton XY, ça se peut que ce soit le bouton STO pour stock. Nous, on va voir sur le petit modèle que c'est XY. Et une fois que c'est fait, on va voir notre valeur, une virgule, on entre la fréquence associée. Une fois que la fréquence est associée, on peut entrer le couple de valeurs en mémoire. Donc, même chose que d'habitude, on appuie sur Data et ça va ajouter le couple de données à notre situation statistique qu'on est en train d'étudier. Il ne nous reste plus qu'à répéter l'opération pour chacune de nos classes, donc chacune des classes dans notre tableau ici. Lorsque ce sera fait, on pourra aller chercher des données. Donc, regardons ensemble premièrement comment est-ce qu'on rentre nos couples de données. On y va maintenant pour notre premier couple de données. Dans ce cas-ci, on a la classe 60 à 70. Le milieu de classe, ce sera 65. Donc, ma valeur, ce sera 65. Là, je veux indiquer à ma calculatrice que j'ai un couple de données. Donc, pour ça, je dois ajouter une virgule. On cherche le bouton XY avec la virgule. Ce bouton-là, il est ici, juste en dessous du bouton STO. Donc, si j'appuie sur STO, j'obtiens 65 virgule. J'ai obtenu ma valeur virgule. Il me reste à y donner sa fréquence et on pourra entrer la donnée dans la mémoire. Dans ce cas-ci, la classe 60-70 contenait deux joueurs. Donc, j'ajoute la fréquence de 2 et je veux ajouter la donnée. Donc, j'appuie sur M+. Et voilà, mon ensemble de données contient une donnée qui est un couple de données dans ce cas-ci. On continue avec la classe 70-80, donc milieu de classe à 75. On ajoute la fréquence en appuyant sur STO. On donne le chiffre. Dans ce cas-ci, on avait trois joueurs et on appuie sur M+ pour entrer la donnée en mémoire. On fait le reste avec les autres données, puis ensuite de ça, on aura complété notre ensemble de données. Et voilà, mon ensemble de données contient les cinq classes que j'avais. J'ai toutes les informations nécessaires en statistique pour pouvoir aller chercher ma moyenne, mon écart-type et mon écart-type sur la population. Maintenant que c'est fait, on sait comment rentrer des couples de données une après l'autre et on peut maintenant aller chercher les données statistiques qui nous intéressent. Encore une fois, moyenne, écart-type sur la population, sur l'échantillon. Ici, on fait encore la même façon que tantôt. On va aller chercher alpha et on va utiliser le pavé numérique de notre calculatrice pour trouver les valeurs.
Même principe que sur la liste de données. Dans ce cas-ci, j'utilise alpha pour aller chercher la moyenne ou les écarts type population-échantillon. Donc, alpha 4 pour la moyenne. Ici, j'obtiens 93,89 environ. Si je veux avoir l'écart type alpha 5, 18,11. Et finalement, alpha 6 pour l'écart type de la population, 17,60 dans ce cas-ci. On a trouvé que notre moyenne était de 93,89 points, écart type de l'échantillon est de 18,11 points et l'écart type de la population de 17,60 points. Ceci étant dit, ça fait le tour du mode statistique de la calculatrice Sharp. Si jamais vous en voulez plus, allez voir dans vos notes à la fin du document de notes. Il y a une annexe sur le mode statistique de la calculatrice Sharp avec des petites images pour vous aider. Allez voir ça, là, vous êtes capable de suivre avec ça et on vous donne des séries statistiques pour vous pratiquer. Ceci étant dit, nous on a terminé, donc on poursuit avec le reste de la matière de notre cours.